necesito encontrarte para que el corazón no se rinda y no deje de amarte. Quiero recuperarte, necesito encontrarte porque tú te quedaste con todo lo que yo era mío. Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos. Ya no aguanto el castigo. Bah alors, ton petit ami est pas là, chérie? Non, qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Je veux ton argent. J'en ai besoin et toi t'en as. C'est pas beau, ça? Hein? Je ne te donnerai rien. Tu sais quoi? Tu peux faire ce que tu veux. Esteban te croira jamais. Ah bon? Non. Tu penses vraiment qu'il va croire un arriviste comme toi? Je pense, oui. Regarde ce que j'ai. Tiens. Tu veux passer chez moi? Je veux que tu me fasses. Et donc? Tu aurais pu trouver ça sur n'importe lequel de mes profils internet. Ouais. Et est-ce que j'ai aussi téléchargé ça sur les réseaux sociaux, chérie? Qu'est-ce que c'est bon? Miam. Tu vois? T'es qu'un porc. Oui, oui, je suis un porc. Et plus je suis un porc, plus ça me plaît. Je te conseille de sortir ton chéquier. Parce que j'ai découvert que ton petit ami possède une agence d'événementiel. Et sa sœur paierait très cher pour avoir cette vidéo. Tu sais quoi? Je vais te payer. Je vais te donner l'argent. J'ai juste besoin d'un peu de temps. D'accord? Je sais que tu vas me donner l'argent. Je le sais. Mais supprime-la. Crois-moi, je vais te payer. Ouais, t'inquiète, je vais la supprimer. Dès que tu m'auras payé, je la supprimerai. Mais je vais en profiter pour l'instant. Ah! Oh, s'il te plaît, si ton petit ami te laisse sur ta faim, appelle-moi. Est-ce que tu te rends compte? Cet homme m'a reconnu, il a dit que je ne l'ai pas tué, que quelqu'un d'autre l'a fait. Oui, mais il est perturbé et tout n'est pas clair dans sa tête. Il a aussi mentionné un homme et ensuite une femme. Il s'agissait peut-être d'Esteban et de Rebecca. Je suis vraiment désolé que les témoignages réunis pendant ton procès n'aient pas pu être annulés. C'est juste que tout ce que cet homme a dit, tout est tellement bizarre. La femme de service d'étage qui s'est occupée de Santino est morte comme par hasard, renversée par une voiture un mois après son témoignage. Selon les dossiers, dès que le procès s'est terminé, tout le groupe est rentré. Ils sont tous retournés au Mexique. Maintenant, il faut qu'on trouve si l'un d'entre eux est revenu en Espagne après ça. Il y a tellement de questions sans réponse. Il n'y a qu'au Mexique que je peux trouver la vérité. Je pense que je vais rentrer dès ce soir. Ne te précipite pas, Marcia. Nous pouvons encore en apprendre plus. Non. Comprends-moi, j'ai déjà trop attendu. Je veux revoir mes enfants. Je comprends. Mais avant de retourner au Mexique, je dois t'emmener quelque part. Où ça? Oh, merci, Tata. Tiens, Hugo, bois ça. Tu te sentiras mieux. Tata, tu sais ce qu'il a? C'est une sale gueule. Stop! Pas de vulgarité. Rafa, il est temps que tu prennes tes médicaments. Oui, Tata, comme absolument tous les jours. Ah, je vous ai pas dit, j'ai rencontré la petite amie de votre père. Ah ouais? Quand? Je suis allée la voir. Elle a un magasin d'horribles vêtements destinés au monde du spectacle. Enfin bon, c'est évident que son seul but est d'utiliser votre père en tant que banquier, actionnaire ou que sais-je. Ça ne me surprend pas du tout. Au moins, elle a sa propre entreprise. Bon, maintenant c'est à vous de jouer. Pour faire en sorte que la fête de fiançailles de votre père soit un énorme échec. Mais quelle fête? Papa va organiser une fête de fiançailles. Il ne vous l'a pas dit? Non. Eh bien maintenant, vous êtes les seuls à pouvoir empêcher votre père de se fiancer à cette... arriviste. C'est pas grave, d'accord. Celia. Merci. Excusez-moi. Salut. Comment va ta jambe? Oh, tu sais, chaque jour, j'ai de plus en plus mal, mais c'est pas important, c'est pas pour ça que je suis venu. Où est mon argent? Mais tu l'as pas? T'avais pas besoin de venir jusqu'ici, on aurait pu te faire un virement et ça aurait été plus facile. Et donner mon argent à une banque pour qu'il me fasse payer des intérêts sur mon dépôt? Non, je veux pas donner un centime à ces voleurs.
Non, certainement pas. En plus, j'y connais rien à ces trucs modernes. Je veux être ici pour vérifier qu'on me donne tout, qu'on me transfère tout jusqu'au dernier centime. D'accord. T'as conscience d'être devenu un radin professionnel? C'est insupportable. Oh. Ah oui? Oui. Oh. Avec le peu que tu dépenses pour tes vêtements, tes soins médicaux et tous les autres besoins, je suis sûr que tu as dû économiser une fortune. Oui, 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 c'est pas faux, et grâce au fait que, comme tu le dis si bien, je suis un radin professionnel. Hein? Je suis pas là à dépenser sans compter, donc oui, j'ai une fortune. J'ai un capital. Mais c'est vrai, t'as raison. J'ai un problème avec ça. Tu vois, je sais pas qui va récupérer cet argent à ma mort. J'ai personne. Je vais pas laisser mon argent à ces misérables de la banque. J'ai personne. Vraiment personne. Eh ben non! Pas de salaire tant que vous ne travaillez pas correctement. Comment ça, c'est déjà fait? On a terminé hier. Regardez, votre annonce est super. Elle est colorée. Mon collègue s'est appliqué. Regardez! En plus d'être inutile, vous êtes ignorant. Je ne veux pas d'une publicité avec des fautes d'orthographe. Comment ça, elle est très bien? Ah oui, ça vous semble correct? C'est ce que vous nous avez demandé d'écrire, pas vrai? Écoutez, achetez-vous un dictionnaire, ok? Et repeignez-moi cette annonce. Sinon, je ne vous paierai pas. Et toute la peinture est à vos frais. Non. Oh, mais tu m'as dit que tout était bon. Ah, je sais, mon vieux, mais tu t'es pas appliqué non plus, hein? Je te l'avais dit quand même écrit sur une feuille. Service, c'est quand même pas compliqué. Service! Et j'ai fait une faute à domicile, peut-être? Oh, du calme. Monte pas sur tes grands chevaux. Il suffit de repeindre l'enseigne et puis c'est tout. Non. J'ai reçu ma facture d'électricité et j'ai dit que j'allais la payer. Je peux pas laisser tomber ma femme et mes enfants. Ah, c'est pour ça que t'es à cran? Ouais. Dis-leur que tu l'as déjà payé et que tout est réglé. Quand on sera payé, tu pourras t'occuper de payer la facture. Ils le sauront même pas. Regarde comme elle est belle. Elle est à la fois innocente et sexy. C'est le profil type qu'il nous faut. Elle s'appelle comment? Bettina. On peut lui laisser une chance, tu ne crois pas? Bettina, comment ça s'est passé? Oh Lola, j'espère que je serai prise. Je me suis donnée à fond. Il y a de très très bons danseurs ici. Oh, je suis sûre que tu vas faire partie des meilleurs, tu verras. Oh, je suis venue à la capitale pour pouvoir devenir une grande danseuse et avoir autant de chance que toi. Ouais, enfin, pas tant que ça. Ah, bien sûr que si. Tu envoies de l'argent à tes parents tout le temps. Ils sont très fiers de toi. Tu seras bientôt la star des sitcoms. J'espère en tout cas. Mais pour l'instant, je me débrouille bien avec le mannequinat. Mais bon, toi, ton truc, c'est la danse et tu vas voir que tu vas intégrer cette comédie musicale. Oh Lola, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir accueillie chez toi. Mmh. La dernière chose que je veux, c'est être un fardeau pour toi. Arrête, t'es pas bien, je suis vraiment heureuse de t'avoir ici. Oh. Je sais, mais ta colocataire ne m'aime pas beaucoup. Elle... On dirait qu'elle va me tuer sur place. Je sais. T'as vu? Pourquoi? Fais pas attention à elle, ça va lui passer. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi cet endroit? C'est la dernière adresse connue d'Antonio Gilles. Celle que le procureur avait cachée. Il avait prétendu ne pas la connaître. Tu dois dire la vérité à ta fiancée et à tes enfants avant ton mariage. Mais pourquoi parler maintenant? Comment ça, pourquoi? Pour entamer ton mariage sur des bases saines. Et je te rappelle que tu ne peux pas te marier à l'église. Devant notre Seigneur Dieu, Marcia est toujours ta femme. Oui, mon père, je le sais. Croyez-moi, je n'avais pas l'intention de me remarier. Et je doute toujours que Lucia soit ma fille. Pourquoi tu n'as pas fait un test de paternité? Parce que si tout ça est vrai, je ne sais pas si je pourrais encore l'aimer. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a engagé pour mentir à mon procès? Pourquoi vous avez menti en disant avoir vu quelqu'un me donner une arme? Pourquoi? Ah, écoutez, madame, calmez-vous, d'accord? Je ne comprends absolument rien à ce que vous me dites. S'il vous plaît, monsieur, nous recherchons Antonio Gilles. Il est là. Antonio Gilles. Cette enflure s'est barrée d'ici il y a des années. Qu'est-ce qui se passe ici? J'étais la compagne d'Antonio. Ce sale type m'a quitté pour aller en Amérique. Vous savez où? Vous avez son adresse? Vous rigolez, j'espère. Je sais seulement qu'on lui a offert un job et qu'il n'y a pas réfléchi à deux fois. Il s'est enfui au Mexique.
Au Mexique? Toi, plus que n'importe qui d'autre, c'est très bien ce que j'ai toujours ressenti pour Esteban. Lui présenter ta nièce, c'était un coup bas. Est-ce que je dois te rappeler que tu es mariée? Durant toutes ces années, Esteban n'a jamais découvert que tu mourrais d'amour pour lui. Esteban ne t'a jamais remarqué, il ne te verra jamais comme sa femme. Jamais. Il n'y a rien de mal à ce que je veuille qu'il soit heureux avec ma nièce. Esteban a juré qu'il ne se remarierait jamais. C'était il y a 20 ans. Tu ferais mieux de te résigner. Tu es la femme de Bruno et tu ne seras jamais plus que l'ami de ton cher Esteban. Non, hors de question que je me résigne. En plus, il vient de me virer de l'entreprise. Oh, comment? Eh bien, la voilà. Tu l'as, la preuve qu'il ne veut pas de toi à ses côtés. Oh, détends-toi et profite au mieux de leur fiançailles. Fais la fête, parce qu'Esteban organise une fête pour annoncer leur fiançailles. Ça n'arrivera que si je le permets. Tu vas payer très cher ta trahison. N'oublie pas que je connais de nombreux secrets qui peuvent te ruiner, toi et ton mariage. Attends. Je te ferai dire que chez les Gitans, on a de l'honneur. N'oublie pas que moi aussi, je connais beaucoup de tes secrets. Tu ferais mieux de réfléchir à deux fois avant de me menacer, car c'est toi qui pourrais finir par perdre. Ce serait mieux que l'on continue à être les meilleurs amis du monde. Tu ne crois pas? Il faut que ce document soit livré chez Madame Linares à la première heure demain matin. Et assurez-vous qu'elle signe bien sa démission. Merci. Y a un problème? Non, aucun. Excusez-moi. Bien sûr. Vous êtes sûr qu'il est allé au Mexique? Ouais, j'en suis sûre. À l'époque, il m'a dit que ceux qui lui avaient proposé le poste lui devaient beaucoup. Et puis, il était content, anxieux, il comptait les jours avant son départ. Bien sûr, j'ai continué à espérer qu'il m'appellerait pour le rejoindre là-bas, mais il m'a jamais appelé. Et vous ne l'avez pas cherché? Où ça? Il ne m'a pas laissé d'adresse, et il a même changé de numéro de téléphone. Je suis bien contente, vous savez, bien contente de ne plus entendre parler de ce type. Il m'a mise en difficulté en plus, il avait de mauvaises fréquentations. C'était un coureur de jupons, bref. Comment ça, des mauvaises fréquentations? Des gens qui aiment l'argent facile, et qui auraient fait n'importe quoi pour de l'argent. Si vous avez des nouvelles de lui, vous pourrez nous prévenir. On vous laisse nos coordonnées, il faut absolument que je lui parle. Voici ma carte. Écoutez, je veux pas vous décevoir, hein, mais on n'est pas les seuls à avoir des choses à régler avec lui. Et honnêtement, je pense pas qu'il reviendra me voir. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, moi, ça va. T'as besoin de quelque chose? Non. Je voulais te parler. Qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète. Pourquoi? À cause de ce qui se passe entre lui et Hugo, à cause de tes fiançailles. Entre nous, je suis content de te voir comme ça. Je sais que je la connais pas, mais t'es heureux, et c'est ça qui compte vraiment pour moi. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon fils. Tellement. J'espère que ce ne sont pas des adieux. Non, bien sûr que non. Tu as mon numéro sur ton téléphone. N'oublie pas que si les choses ne se passent pas comme prévu, tu auras toujours du travail dans mon cabinet. Merci. Je te serai toujours reconnaissante. Et moi, je t'aimerai toujours. Iñaki, on doit rester les meilleurs amis du monde. D'accord? À l'attention des passagers du vol 755 à destination de la ville de Mexico, veuillez vous diriger vers la porte d'embarquement 36. Merci beaucoup. Tu m'as enlevé une sacrée épine du pied, mon chéri. Je t'ai dit que j'allais payer, et je l'ai fait. Oh, je suis vraiment fière de toi. Où est-ce que tu as mis le reçu? Non, je l'ai pas sur moi. Il doit être à l'intérieur. Ah, d'accord, tu me le donneras après. Oui. Tu sais, il faut que tu passes la seconde, mon amour, parce qu'on a encore beaucoup de dettes. Bon, j'arrête de t'embêter. Viens par là. Oh, comme il est beau, mon artiste. Je vais préparer le dîner. Ouais.
Allez, souris. Oh non, allez. Tu vas pas recommencer, j'aime pas ça, je te l'ai déjà dit. J'aime pas que tu prennes des photos de moi. Allez, arrête, s'il te plaît. Oh, ça va, toi aussi, tu fais plein de trucs que j'aime pas. Donc tu vas quand même continuer à m'ennuyer avec ça. Ouais, ouais, je vais continuer à te taquiner. Et maintenant, souris pour la photo. S'il te plaît, arrête, non. Je t'ai dit, j'aime papa, pas ça. Souris. Je... Ne prends pas de allez, photos de papa. Moi. Non, 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 je veux pas, j'aime pas ça. Ça suffit. Tu sais quoi? Tout ça peut être vite réglé. Si tu laisses pas tomber cette stupide idée de mariage, je quitte la fac. Madame, bonjour, j'ai besoin d'un taxi pour aller à cette adresse. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Ok. Mais qu'est-ce que tu racontes, Lucia? Ce sont deux sujets complètement différents. Tu peux faire ce que tu veux sans penser à nous, mais nous, par contre, c'est pratique, non? Tu es incapable de faire quelque chose d'aussi stupide. Ah, oh, tu veux me défier? Mets-moi à l'épreuve. Si tu arrêtes tes études, tu vas perdre tous tes privilèges et tu devras chercher un travail parce que je ne veux pas de paresseux dans cette maison. C'est compris? Tu vas finir tes études. Point final. Je suis venu te dire que si tu te maries, je démissionne de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous prend tous? Pourquoi vous agissez comme des gamins capricieux? Non, c'est pas une crise de colère, ok? Je vais te dire une chose, si tu démissionnes et que tu laisses l'entreprise en plan, tu n'auras pas ton attestation de stage et sans ce document, tu ne pourras pas obtenir ta licence. Mon père! Marcia? Marcia! C'est un vrai miracle. Madame, vous ne pouvez pas... Pardon, monsieur, elle est entrée en trombe. Pas de problème, Célia. Ne vous en faites pas. Je te préviens, Esteban. Tu ne vas pas me virer de l'entreprise et je ne vais pas démissionner. C'est pour le mieux, Florencia. Même si je pars d'ici, tu ne vas pas épouser Paola Ferrer. Je veillerai à ce que tu respectes ton serment. Parce que si tu ne le fais pas, moi aussi, je briserai le mien. De quoi tu parles? Je suis prête à dire absolument toute la vérité à tes enfants. Ma fille, c'est un véritable miracle. Mes supplications ont enfin été entendues. Quand j'ai su, je suis allée te chercher immédiatement dans la prison où tu étais. Mais ils n'ont pas voulu me donner de tes nouvelles. Je t'ai cherché dans plusieurs prisons, mais... Eh bien, au bout d'un moment, j'ai épuisé mes ressources, mais... Je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Je sais. Merci, mon père. Moi aussi, j'ai essayé de vous appeler, mais vous avez changé le numéro de la paroisse. Non, ce n'est pas moi qui l'ai changé. C'est Lucrezia qui l'a fait. C'est pour ça que je vous ai écrit toutes ces lettres. Des lettres? Je n'ai jamais rien reçu. Pourtant, j'en ai tellement envoyé. Chaque jour, je vous ai écrit pour vous raconter ce qui m'était arrivé. Bien. L'important, c'est que tu sois enfin rentré, que tu sois revenu. Oh, mais croyez-moi, j'ai été accusée injustement pour un crime que je n'ai pas commis. Pour l'amour de Dieu, tu n'as pas besoin de me le dire. Je te connais depuis que tu es petite. Je sais que tu es incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mon père, J'ai besoin de voir mes enfants. Je veux leur parler. Je veux les rencontrer. Je veux savoir ce qu'on leur a dit sur moi. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, dites-moi tout, parlez-moi d'eux. Est-ce qu'ils vont bien? Oui, oui. Tes enfants vont bien. Mais alors? Qu'est-ce qu'il y a? Où sont-ils? Pour tes enfants... Tu es morte. Necesito encontrarte para que el corazón no se rinda y no deje de amarte. Quiero recuperarte. Necesito encontrarte.
que tú te quedaste con todo lo que yo era.